5 décembre, c'est la journée internationale des volontaires. Je suis, moi, représentante du programme des volontaires des Nations Unies au Maroc. Nous sommes une dizaine de jeunes professionnels qui travaillons dans différentes agences des Nations Unies et nous essayons de contribuer, par nos compétences professionnelles, à un programme de développement pour le Maroc. Donc on a des personnes qui travaillent dans la communication, on a des personnes qui travaillent dans les programmes de jeunesse, on a des personnes qui travaillent dans les programmes d'environnement. Ce sont vraiment n'importe quelles compétences qui peuvent être mises au service à la solidarité internationale et qui vont valoriser à chaque fois les valeurs du volontariat. Donc le programme des Nations Unies, justement, à niveau beaucoup plus global, c'est un programme qui mobilise 6000 personnes par an, qui sont dans tous les pays du monde avec des compétences très diverses. Ça peut être des architectes, des médecins, des personnes qui travaillent dans l'urgence, des personnes qui appuient les élections dans les pays qui sont en transition, parfois dans les pays qui sont parfois en conflit. Ce sont vraiment des personnes qui arrivent avec des compétences clés à des moments très importants pour le pays et qui vont à chaque fois contribuer au développement. Donc on est ici à la journée mondiale de volontariat. Nous, on est de la section de External Relations à HCR, notre commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et nous, on est là pour promouvoir notre projet de basket sans frontières, qui est un projet de basket pour tout le monde, pour les Marocains, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants d'âge de 8 à 26 ans. إذن حنايا من المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين جينا اليوم اليوم العالمي للفولونتاريا باش نعرفوا بالعمل ديال المفوضيه في المغرب وباش نتلاقاو بالشباب اللي يمكن لهم يساهموا في الاعمال ديال المفوضيه. مثلا عندنا واحد المشروع ديال الباسكتبول اللي من الاطفال والشباب من 8 ل 25 عام اللي الهدف ديالو هو يساعد على الاندماج ديال الأجانب في المغرب وخاصة اللاجئين. واليوم إذن يمكن مثلا نقترحوا على الشباب اللي كيجيو الستاند ديال المفوضية أنهم يشاركوا كفولونتير في هذا البروجي حيت كاين بزاف ديال الإمكانيات. والهدف ديالنا الرئيسي هو أن الشباب يبداو يلقاو أن انتيغي أنهم يكونوا فولونتير إما مع المفوضية إما مع الناسيونز يوني بصفة عامة ولا مع أي أورغانيزاسيون اللي كاينه اليوم.